patio, quand on le voit aujourd'hui, bah voilà, c'est un espace superbe. Mais il faut avoir l'idée que c'était un cratère de 7 mètres sous le patio. Il y avait des bulldozers qui creusaient. On allait sous les fondations du palais existant. Les travaux n'étaient pas forcément simples. Hein. On a excavé 16 000 mètres cubes du sous-sol du palais, sauf que nous, on l'a sorti par la petite cuillère, mais presque. On a creusé sous le palais pour pouvoir créer un auditorium, des espaces pour les scolaires, et puis pouvoir retrouver dans les espaces supérieurs, du coup, des surfaces d'exposition.